Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle ce soir? Bien, j'ai trouvé ça très original, c'est très impressionnant, puis les gens avaient l'air d'avoir du plaisir, donc je pense que c'est l'objectif de la soirée. Qu'est-ce qui vous a plu le plus? Ce qui m'a plu, c'est sa capacité d'improvisation, sa capacité de s'adapter à toutes les situations, puis le scénario aussi, c'était très drôle. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Oh ben, je trouve que vraiment, il est talentueux. Spectacle en deux, trois mots. Ah, oh, mon Dieu, surprenant. C'est surprenant. Je pense que c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Réaction, vos impressions? Sceptique un peu, mais ça vaut le déplacement. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Tu te souviens de toutes les parties? Oui, mais ça qui m'a plu le plus, c'est la partie où chaque fois qu'on a dansé. Mais comme observateur, qu'est-ce qui vous a plu le plus? Oui, mais c'est le fun de voir le monde, la manière qu'ils réagissent puis embarquent. Parce que c'est sûr que nous, en tant que spectateurs, on se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est surréel, c'est magique. Ben voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ben, grand plaisir. J'étais détendue à fond. Je dormais profondément. J'entendais que les voix et tout ce que la voix me guide, je le fais. Sans réfléchir et avec plaisir. Tu étais hypnotisé ce soir, c'est ça? Oui, j'ai été hypnotisé, ouais. Puis on m'a dit genre que j'ai fait l'espion, que j'ai dansé, que j'étais dans une voiture de course, écoutez. Tu te souviens-tu de tout ça? Oui, là, je m'en souviens, oui, une chance. Ben, on t'a vu, tu étais vraiment merveilleux sur la scène, merci. Merci, bonne soirée. Merci.